Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, aujourd'hui le thème par rapport au 3-3, le but c'est de pouvoir 1. expliquer le 3 contre 3 pour ceux qui n'ont jamais vu ou pratiqué ou qui ne connaissent pas bien le règlement, parce que le règlement va être important pour le transfert vers le 5 contre 5, parce que le but aujourd'hui c'est de montrer que le 3 contre 3 peut être une situation jouée importante pour développer vos joueurs dans le 5 contre 5. Et c'est pas, de 1, ça reste du basket, avec des ballons, etc. On va voir les quelques différences. Mais on peut vraiment, grâce à cette philosophie de jeu, développer les joueurs sur beaucoup d'aspects où on n'arrive pas toujours à les impacter dans le 5 contre 5. D'accord ? Donc c'est ça le but aujourd'hui, de retourner après la séance ici, de se dire, ok, moi je peux rentrer dans mon club et je peux lancer une activité 3 contre 3 qui va être adaptable en 5-5 et qui va faire performer mes joueurs, parce que voilà, j'aurais vu un peu les idées, la philosophie de jeu et des exercices, des breakdowns qu'on va pouvoir en tant que coach réadapter. Ben, ça j'aime bien, ça j'aime moins, ou je ferai ça, ou je ferai ça, comme tout coach peut faire à chaque fois. Donc c'est ça l'idée aujourd'hui. Les différences un petit peu en grand, par rapport au 3-3 et au 5-5, et pour ceux qui suivent la conférence de Selim après, il y aura à nouveau aussi des explications par rapport à ça. Mais première chose, on voit sur la taille du terrain. On croit souvent que c'est un demi-terrain, le terrain est un peu plus court sur le top, délimité par les cônes, plus ou moins 11 mètres. Okay. Une grosse différence aussi, c'est le ballon. À nouveau, ça, dans les entraînements 5-5, moi, quand je travaille des situations 3-3 avec mes jeunes, ben, je travaille avec les ballons normaux. D'accord, je travaille pas, je m'amuse pas à aller acheter des ballons. Les ballons 3-3, en fait, c'est des ballons 6, donc taille fille, mais avec le poids 7. C'est des ballons unisexes, donc les filles et les garçons jouent avec le même ballon. D'accord, donc ça, c'est règle de la FIBA. Donc ça, c'est une différenciation et le ballon est fort rainuré. Le ballon est fort rainuré, donc le catch, surtout pour les hommes, est assez facile, la prise en main est assez facile. Ok, ça, c'est une différence par rapport à ça. Une autre différence, point de vue règlement, ben, c'est le temps de jeu. Le temps de jeu est de 10 minutes avec arrêt de chrono comme un match 5-5, mais peut être terminé sur 21 points. 21 points avec 1 point dans la zone à 2 points, 2 points dans la zone à 3 points. D'accord ? Donc ici, il y a aussi une grosse importance dans la philosophie de jeu du shot à 3 points. Le shot à 3 points est vraiment très très important offensivement et défensivement, mais il est important de défendre cette zone-là. Les fautes sont un peu différentes, même si vous, dans le cadre des entraînements, ça ne va pas vous impacter parce qu'il y a beaucoup de règles que je vais énumérer ici qu'on ne va pas transcrire dans les entraînements. Mais pour si on veut la suite et de pouvoir travailler dans des tournois, etc., d'avoir un petit peu les idées, on n'a pas de fautes individuelles. On peut avoir autant de fautes collectives qu'on veut à partir de 6 fautes. La 7e faute, on a 2 lancers. 10e faute, 2 lancers là-bas, etc., etc. Donc il y a des règles un petit peu différentes. Ce qui est important et ce qui nous concerne surtout ici, c'est que va me procurer en plus le 3-3 par rapport au 5-5? Première chose, dans le développement du joueur, dans le développement offensif, tous les trois joueurs sur le terrain doivent être capables de faire un maximum de choses. Ils doivent être capables de faire un maximum de choses. Parce que le peu de joueurs fait qu'on va avoir, un, beaucoup de responsabilités. En 5-5, on sait bien qu'on a des joueurs qu'on va placer dans un système ou sur une partie de terrain qui vont avoir moins d'options ou qui vont avoir un rôle unilatéral. Mais toi, tu te mets dans le coin et tu es prêt à shooter. Toi, tu es dans le post-up, tu es prêt à jouer. Tu vas prendre les rebonds, tu fais ça, tu fais les passes. Au 3-3, on est obligé de tout faire. Le joueur est obligé d'attaquer dans le 1 contre 1. Il est obligé de savoir passer, il est obligé de savoir shooter, il est obligé de savoir poster. Donc, dans le développement des joueurs, c'est intéressant parce que le joueur va se développer de manière complète et ne va pas pouvoir se cacher comme en 5-5. C'est quelque chose qui est très important aussi, c'est dans la prise de décision. On a souvent des joueurs en jeunes et jusqu'en équipe première aussi, peu importe le niveau, voilà, qui ont du mal à prendre vite des décisions. On se dit, allez, mais fais la passe, il est tout seul, tu le vois pas, ou enchaîne là, ou défend directement, le joueur là est tout prêt. Le fait des règles rapides du 3-3 va faire que les joueurs vont être obligés d'accélérer leur prise de décision, leur prise de responsabilité aussi. D'accord ? Ils vont absolument devoir vite prendre des responsabilités. Ils ne vont pas pouvoir se cacher à nouveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent et qui n'est pas toujours évident de travailler dans des situations 5-5 où si on va travailler cette play puis transition dans le full court, ben, on a du temps pour se replacer. Ici, le temps, on l'a pas, donc la vitesse de réaction va être très importante. On va aussi avoir un travail un petit peu différent par rapport au spacing du terrain. Comme on est à 4-3, forcément, on va donner beaucoup plus de situations dans le dos, dans le mouvement hors ballon.
dans le mouvement hors ballon, dans le travail dans le dos. Même chose, à nouveau, des situations où quand un joueur va pénétrer sans le verra tantôt, on demande souvent une réaction dans le coin, s'il est ball side. Et de temps en temps, ben, on voit que le défenseur est dans le dos et nous, comme coach, on dit « Mais regarde, tu n'as pas été dans le dos !» Parce qu'on a tellement formaté les joueurs à aller dans le coin ou à réagir sur un spot ou l'autre que le joueur ne voit pas qu'il a une opportunité. Et le fait de travailler dans des espaces plus larges, avec moins de joueurs, permet justement à ce joueur de garder plus d'agressivité et de lecture. Sur le travail défensif, même chose, il y a beaucoup de choses à travailler. On sait bien aussi que dans le 5-5, ben on va travailler, voilà, le big man sur le ball screen, il va juste faire step back ou il va faire un petit edge suivant ses qualités athlétiques. Ici, souvent, on va switcher. Ça veut dire que le grand et le petit vont devoir jouer les mismatchs de manière importante. Et ça veut dire qu'on va pouvoir travailler ça, travailler d'appui sur le grand, travailler l'attaque de l'anneau sur le mismatch pour le petit. Toutes ces mises en situation vont être fréquentes. Important aussi, communication, prise de décision, on l'a dit, en défense aussi, communication sur le switch, sur le joueur le plus proche. Et on va travailler aussi ce que j'appelle les situations de extra effort. Les situations d'extra effort, elles sont souvent présentes en 3 contre 3. C'est quoi ? C'est les situations sont courtes et très, très, très intensives. Donc, si on fait un entraînement 3-3, vous allez voir que dans les situations de 1 contre 1 ou 2 contre 2 qu'on va développer, ici, on va forcément moins enchaîner parce que le but n'est pas d'avoir un entraînement, mais de montrer beaucoup de situations. Mais il y a un gros travail énergétique, de fatigue. Ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont bien et dès qu'ils sont un peu fatigués, ils ne prennent plus leur bond, ils ne défendent pas. Ici, la répétition va faire travailler aussi le joueur de s'obliger à se faire mal, obligé à faire l'extra effort à chaque fois. Et ça, c'est des situations qu'on va pouvoir retravailler beaucoup, beaucoup de fois dans les situations de 3 contre 3. OK. Ici, on va commencer. On va commencer avec 4 joueurs. 2 bleus, 2 blancs. 2 bleus, 2 blancs, chacun un ballon. 2 bleus, 2 blancs, chacun un ballon. On se place sur le top. Donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, on va montrer un petit peu des différentes situations, comment commencer, voir un petit peu où on peut arriver et surtout un peu aussi les situations de règlement qui sont importantes pour pouvoir transférer dans le 5-5. S'il y a des situations de règlement qui ne sont pas faites, ça va être des situations d'opposition classique comme on fait dans le 5-5. Simplement, chaque fois que le ballon sort ou qu'il y a une faute, sauf faute sur shot, où là c'est comme dans le 5-5, lancer franc, il y a toujours un check ball. Le check ball se passe toujours face à l'anneau, d'accord, dans le centre, derrière les 3 points. On verra la situation du défenseur. On a chaque fois défenseur sous les 3 points, l'attaquant face au joueur, passe. Que ce soit passe tendue ou passe à rebond, on accepte les deux. Okay? Par contre, ce qui n'est pas accepté, c'est la qualité de passe. Leur qualité de passe, je ne peux pas pouvoir travailler ici. Quand on va aller, si on veut faire des conditions de match, enfin entraînement ou dans la situation qu'on va travailler, chaque fois le joueur, quand il y a une mauvaise passe, il a un warning. Ils ont le droit à 2 warnings. Il y a 2 warnings, c'est chaque fois technique. D'accord? Donc c'est important pour la fluidité du jeu. Okay? On le verra après dans le 1 contre 1. Ici, simplement, chaque fois le joueur offensif, spin the ball, arrêt, d'accord? Et il va simplement partir pour l'échauffement, attaque dans le 1 contre 1 et tu finis en lay-up. Tu prends le ballon, tu viens derrière à chaque fois. Donc chaque fois spin, ici on va déjà travailler techniquement sur le départ au dribble à l'arrêt. Vas-y, go, spin, départ, au choix, vas-y, enchaîne derrière, enchaîne, spin. Ok, donc sur le premier travail ici technique, on va déjà travailler sur le spin, départ en dribble, travail technique. Après à nouveau, on peut varier suivant les exercices et situations qu'on veut. Ok, stop. Ici, même chose, même travail, spin the ball, toujours faire un dribble, un cross et je finis à l'opposé. Chaque fois, un dribble, un cross, je finis à l'opposé. Spin, hop, départ en dribble, ouais, hop, hop, chaque fois. Voilà, bien. Ok, ouais, ouais, très bien, très bien. Allez, bien fixé à chaque fois, fixer l'anneau, un dribble, cross, ouais, ok, bien. Allez, pas grave, continue, ouais, ouais. Pour eux aussi, c'est la première fois qu'ils travaillent pour certains avec des ballons 3-3. Donc, comme la taille est plus petite, le catch, etc., le grip est un peu différent. Le dribble. Ouais, bien. Bien. Ok. Ok, stop. Ok.
On a vu ici le but, c'est voilà. Après, vous avez plein de situations différentes. Le but ici n'est chaque fois pas de développer le travail, moi d'expliquer le travail technique que vous ferez à l'entraînement ou les évolutions de drill sur la même situation. Vous en avez tous chacun 10, 15, 20. C'est pas ça le but, c'est de pouvoir construire l'entraînement jusqu'au bout. Ici, simplement, même chose, toujours spin, attaque sur le lay-up. Chose qui est importante au 3 contre 3, c'est les sorties de balles. Donc il y a une première règle, c'est que quand le ballon est marqué, on verra les conditions défensives et le changement après, d'accord, c'est que je suis obligé de sortir la balle en dehors des trois points, soit en dribble, soit en passe. La première situation qu'on va travailler, et ça dans vos entraînements, on verra dans les positions, dans les drills tantôt en 2-2-3-3, c'est important parce qu'on va pouvoir travailler le passing ou le dribble, au choix. Simplement, toi tu vas devoir sortir sur une partie des trois points en dribble, tu sors en dribble. Règle importante, c'est que je suis obligé de sortir mes deux appuis de la zone à deux points. Soit en venant mettre mes deux appuis en dehors des trois points, d'accord ? Soit en venant mettre un appui et lever le deuxième appui. À partir du moment où j'ai plus de contact avec la zone à deux points, je peux attaquer à nouveau. D'accord ? Donc ici, spin, attaque, lay-up, sortie de balle en dribble, un appui ou deux, et tu viens prendre un shot hors raquette. Dès qu'il sort de la raquette, tu peux enchaîner, ok? On peut enchaîner à chaque fois. On montre, vas-y, spin, ouais, attaque dans le 1 contre 0, ouais, ouais, vas-y, ok, suivant, vas-y, go, hop, sort en dribble, les appuis, les deux appuis en dehors, très bien, hop, vas-y, enchaîne, ouais, ouais, et un shot derrière, bien, fini, ouais, ok, très bien, sortis les deux appuis, soit en levant le pied, soit avec les deux pieds en dehors des trois points, ouais, très bien. Ouais, vas-y encore. Bien, vas-y, encore, ouais. Ouais. Ok. Ok, bien. Vas-y, achève, achève. Garde un ballon, les autres ballons rangés. Garde juste le premier ballon. Gardez le ballon. Remettez les trois autres ballons, garde un ballon. Ok, deuxième situation. Donc ici, on a travaillé sur la sortie de balle en dribble. On va travailler maintenant sur la sortie de balle en passe. Ok, donc même chose pour lui. Tu vas commencer en bas pour la première situation. Viens en bas, viens en bas. Tu vas commencer en bas. Ok, simplement pour le premier shot, rebond, tu fais pass out. Pass out ici, ici. Et tu demandes pass back. Pass back, reçois, tu viens finir sur un post move. Post move au choix, tu laisses le rebond. Toi, tu prends le ballon. Ok ? Tu prends le ballon, tu fais pass out, pass back, fini. Chaque fois, le passeur prend le rebond. Chaque fois, le passeur prend le rebond. Et ce qui est important aussi, c'est, et ça, on le verra après dans l'opposition, sur certaines situations, c'est que souvent en match, on a le joueur qui est seul dans la raquette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va soit aller sur le bloc alors qu'il est tout seul, soit ressorti alors qu'il a une prise de décision à faire. À nouveau, prise de décision rapide, c'est de voir quand je fais une passe, peut-être il y a head, je fais une passe back ici. Ok ? Vas-y, tape sur la planche, fais pass out, tu demandes la balle. Post move, hop, hop, ouais, post move, va au rebond, go, hop, c'est toi qui fais pass out, go, hop, prise de position, post up, ouais, hop, enchaîne, enchaîne, rebond, ouais, ouais, travaille main droite, main gauche, laisse le ballon, important, vous devez laisser le ballon tomber par terre, ouais, vas-y, laisse le ballon, ça c'est une règle importante, c'est que quand tu marques, on le verra après dans le 1 contre 1, c'est que le ballon doit être laissé, on ne peut pas jouer le ballon, à nouveau, ça c'est important pour la fluidité de ce que vous allez faire derrière, vas-y, enchaîne, hop, hop, ouais, ouais, vas-y, bien, bien, allez, ouais. Ah, et là, à nouveau, on peut varier les situations de post-up. Hein. On peut varier les situations de post-up. Mais important, Marc, laisse le ballon. Laisse le ballon pour le suivant. Allez, allez, ouais. Allez, commande Simon. Allez, let's go, let's go, let's go. Allez. Ouais, ouais. Dernière fois, vas-y, go, go, passe. Ouais, attends. Ok, ok, stop. Ici. Situation ici, passe, passe back dans le jeu inside. Parce que sur la sortie de balle, le défenseur n'est pas prêt à défendre, et là je leur demande tout de suite. Même chose, passe, défenseur est prêt à défendre. Ici, on doit savoir que quand le ballon est sorti à 3 points, c'est toujours le ballon qui doit sortir à 3 points, ce n'est pas le joueur. D'accord ? Donc quand j'ai fait pass out, que le ballon est sorti à 3 points, moi je ne suis pas obligé de sortir. Okay ? On a vu la situation de pass back pour la prise de décision sur le post-up. Maintenant, le défenseur est ici, je ne sais pas travailler. Lui va sortir pour se démarquer. Deuxième situation, et on l'a dit, comme les espaces sont beaucoup plus larges, travail de backdoor. Passe au-dessus, hop, passe à rebond, lay-up.
Ok, même chose, tu prends le rebond, pass out, tu te démarques d'un côté ou de l'autre, tu sors de la zone des deux points, ici, hop, bec dehors, passe à rebond, lay-up. Ok, vas-y, go. Allez, ouais, ouais, hop, démarquage, ouais, ouais. Et un petit dribble, passe à rebond dans le dribble. Allez, go, laisse la balle, important. Hop, ouais, ouais, allez, laissez la balle sur le panier, ouais. Rebond, pass out, ouais. Bien, un dribble, un dribble, un dribble. Donne un dribble pour la passe, chaque fois, ouvre l'angle de passe. Allez, hop. Hop, vas-y, ouvre l'angle de passe, vas-y, hop, hop, ouais, allez, bien, bien, hop, rebond, rebond, go, pass out, hop, hop, un dribble, ouais, ouais, allez, bonne passe, qualité de la passe, ouais, rebond, ok, allez, allez, bien, bien, ouais, allez, vas-y, rebond, parfait, encore, encore, vas-y, ouais, bien, bien, hop, hop, ouais, vas-y, un dribble, ouais, dans le dribble, très bien, encore, encore une fois. Dernière fois, vas-y, hop, hop, ouais, ouais. Allez, lecture, lecture. Ok. Et on voit ici déjà, juste dans le travail là, il y a beaucoup de choses à travailler, que ce soit dans le dribble, on voit un joueur qui sort à gauche, Simon, il va à l'opposé, à la place de venir du même joueur, côté du même joueur, être prêt sur le travail technique, sur la passe à rebond, sur le timing, etc., sur le catch et la finition. Donc là, il y a beaucoup de travail technique à nouveau à faire. Ok, dernier travail dans cette situation-là, même chose, pass out, défenseur est là, j'ai pas la situation de big door et je reçois le ballon en dehors des trois points. Je reçois le ballon en dehors des trois points ici et je joue sur le catch. Tu joues sur le catch sur un ou deux dribbles, shot extérieur à nouveau. Shot extérieur, tu joues le rebond, pass out, démarquage et tu joues sur le catch. Ok, let's go. Allez, allez, hop, hop, ouais, sors les trois points, vas-y, hop, un contre un, ouais, hop, un dribble, rebond, rebond, let's go, ouais, allez, passe out, bien, Simon, allez, allez, come on, vas-y, mouvement, ouais, ouais. Ouais, vas-y, encore, encore, dans le rebond, très bien, ouais, allez, allez, ouais. Allez, hop, hop, ouais, ouais, vas-y, joue. Là, sur le catch, le joueur, à nouveau, n'est pas obligé d'être vraiment en dehors des trois points. À partir du moment où ce ballon est sorti là, lui peut demander le ballon où il veut. Ici, on est dans une situation où on demande à trois points, mais il peut demander où il veut. Vas-y, hop, hop, vas-y, enchaîne, ouais. Ok, très bien, ouais. Allez, allez, parfait. Dernière fois, vas-y, dernière fois, let's go. Ouais, bien, bien. Ok, parfait, bien, let's go. On se replace, viens Simon. Ball. Un bleu ici, un bleu devant en défense, un bleu devant en défense. Hop, fais face, ok. Je peux reculer pour l'instant. Ok, simplement, on travaille comme ça, on l'a dit sur le check ball, travail technique sur le check ball, je l'ai montré tantôt, le joueur est obligé de faire une bonne passe, ça soit tendu ou passe à rebond. Ça c'est important, à nouveau pour la fluidité, comme on l'a vu sur les paniers marqués, et ça c'est une règle qui est très très importante aussi, c'est quand je marque, je dois libérer le ballon, je dois libérer le ballon. Ici, dans le travail, tu fais la passe et tu fais exprès de te faire battre sur le dribble, ok? Tu te fais battre sur le dribble, Simon tu viens finir dans le lay-up. Simon tu finis dans le lay-up. Et puis après, on va travailler un contre un dans une sortie de balle. J'explique. Ici, il a marqué. Important, dès que je marque, je dois libérer. Je ne peux pas toucher la balle et je dois sortir du demi-cercle de non-charge. Je dois sortir du demi-cercle. Ok ? Toi, tu vas sortir en dribble où tu veux et puis après, on joue un contre un. Là, tu peux aller en lay-up ou marquer ou shotter, ok, au choix. Et chose qui est importante, quand on dit, ouais, mais coach, c'est bien gentil que le 3 contre 3, mais moi, 5-5, ça joue tout terrain et toi, ton 3-3, c'est demi-terrain, donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Seulement, ce qu'on oublie, c'est qu'en match 5-5, quand je vais marquer, alors on peut travailler full court, mais peut-être le défenseur est là-bas, l'attaquant est là-bas et je vais y aller en trottinant et je vois le ballon et je suis prêt à jouer, ou je dois aller repli demi-terrain et je vais là-bas et je défends ici. Dans la situation 3-3, après le 1 contre 1 ici, ma première situation défensive, c'est celle-là. C'est fermer la ligne à 3 points. Pourquoi ? Parce que l'attaquant, et ça c'est une règle qui est très importante aussi pour la fluidité, c'est que dès que j'ai le ballon en main, j'ai le droit à 12 secondes pour shotter. 12 secondes pour faire passe ou sortie en dribble, peut-être un ou deux mouvements, parce que dans le 3-3, on a des sorties de balle aussi, des systèmes, d'accord ? Donc j'ai que 12 secondes. Ça veut dire que moi, si je défends déjà dur ici sur 2-3 secondes, à nouveau, ils vont devoir prendre un shot difficile derrière. Ok ? Important, comme je l'ai dit, on est dans la même philosophie de 5-5, c'est de marquer et défendre tout de suite. Défendre tout de suite la sortie des trois points. Après, forcément, là, je vais tourner mes appuis et défendre de ce côté-là. Ok, donc lay-up, tu laisses faire le lay-up, tu marques,
Laisse le rebond et tu défends la sortie de balle. Après, on joue une fois un contre un, puis stop. Vas-y, go. Allez, laisse-le aller. Ouais. Prends le rebond. Ok. Défense, ils vont être prêts. Ouais. Allez, hop. Ok, ok. Allez. Allez, un contre un. Ouais. Prenez un deuxième ballon, les gars. Vas-y, go. Deuxième, même chose. En dessous les trois points. Non, comment. En dessous les trois points. Vas-y. Hop, laisse-le aller. Ouais. Prends le rebond. Ok. Hop, être prêt. Ok. Allez. Allez. Ouais. Ouais. Pas mal, pas mal. Changez les rôles, hein. Changez les rôles. Vas-y. Ouais. Check ball. Check ball chaque fois. Ouais. Bien. Ok. 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 Attends, juste une fois. Deux secondes. Ouais, rebond. Ok. On voit, après, on a quelques spécificités. Le fait de faire, de ne pas avoir le temps sur la rentrée, sur le panier marqué comme en 5-5, de faire ça, ça veut dire qu'à nouveau, on va travailler la vitesse de réaction par rapport au défenseur et l'intelligence du défenseur. On verra dans certaines situations tantôt. Ça veut dire que moi, quand je vais marquer ici, je dois être prêt directement à faire step back et être prêt à contrôler. Ça veut dire aussi que je peux à nouveau jouer de manière intelligente. Si je sais que mon coéquipier ici, mon adversaire, va jouer toujours main droite, mais je vais peut-être l'obliger à sortir du côté de sa main gauche pour être plus agressif dans le dribble. Vas-y, go, encore une fois. Allez, allez, oui. Être prêt tout de suite, replace-toi, hop, hop. Voilà, allez, conteste, ok, ok, pas mal, pas mal. Allez, oui, rebond. Essayez de contester, bien. Allez, check ball, oui. Allez. Bien, bien, allez, être prêt, essayez de se... Voilà, bien Simon, très bien, encore, 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 bien, bien, ouais, ouais, ok, vas-y, check ball, ouais, laisse-le, bien, bien, hop, conteste la sortie de balle, très bien, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, bien, 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 ok, stop. Ici, sur les situations défensives, sur les contacts, c'est exactement maintenant les mêmes qu'en 5-5. Au début, en 2016, quand j'ai commencé en équipe nationale, là, on travaillait un peu différemment. Parce que moi, j'obligeais les joueurs à pousser avec la main parce qu'on pouvait. Même chose sur les ball screens. Maintenant, le travail des touches, c'est exactement sifflé comme en 5-5. Les moving screens, etc. sont sifflés les mêmes. Avant, c'était un petit peu différent. Ça veut dire que dans le travail technique ici, défensif de 1 contre 1, on va pouvoir travailler tout ce qu'on fait d'habitude. Ici, même situation, mais cette fois-ci, tu joues tout de suite. Tu joues check ball, tu joues un contre un avec défense. Ok ? Shot, et on fait une sortie de balle en un contre un. Donc, tu vas jouer une fois, tu vas jouer une fois. Si tu prends rebond offensif, tu joues. Lui, je veux qu'il joue une fois derrière. Attention, important, ici, forcément, vu qu'on était à 1 contre 0, normalement, on a quasi chaque fois marqué. Donc, il y avait une sortie de balle sur panier marqué où le défenseur ne peut pas défendre. S'il y a panier raté et que je prends le rebond ici, là je peux défendre tout de suite. Sur le panier raté, tu peux défendre tout de suite. Ok ? On monte, vas-y. Allez, un contre un, oui. Voilà, voilà. Pas mal, pas mal. Bien, bien. Allez, oui. Rebond, rebond. Hop, enchaîne tout de suite, enchaîne tout de suite. Hop, hop, oui, très bien. Allez, allez, oui, oui, oui. Pas mal, pas mal. Bien, rebond. Ok, changé. On voit ici, on va avoir directement aussi sur la rebond la lecture de sortie de balle. Il va lire où il va sortir. Il a vu que le défenseur joue. Il a vu que le défenseur est d'un côté, il part de l'autre. Donc on va travailler la vitesse de réaction. Hop, vite tout de suite, enchaîne, voilà. Allez, pas mal, pas mal. Bien, bien, ok, ok, pas mal, encore. Encore une fois chacun, bien. Allez, ouais, ouais, vas-y, défends, ok. Allez, hop, rebond, rebond, enchaîne tout de suite. Obligé d'enchaîner tout de suite. Hein, le shot, on n'a pas le droit d'attendre. Allez, encore, continue, continue. Ok, stop. Et on a vu ici, ce qu'on a tendance aussi à faire en 5-5, c'est que je vais shotter ici à 3 points et je vais aller, j'ai raté ou je vais venir ici travailler tout seul. Et dans l'attitude et dans l'intensité, dans la formation, on aimerait bien que le joueur, forcément, après, les règles de chaque coach sont différentes sur le rebond offensif ou défensif. Peut-être, il y en a certains, ils vont demander, le shotter va au rebond. Peut-être, je suis au-dessus des lancers francs, tout de suite le repli défensif. Ça, c'est la philosophie de chaque joueur. Mais ce qu'on va inculquer au joueur ici et travailler, c'est que le joueur là, on veut directement qu'il ait un second mouvement. Si je shot que mon ballon va à gauche et que lui est déjà dans le rebond là-bas et que moi je suis là, je vais donner open shot ou easy basket derrière avec un layup. Donc je dois vraiment être très agressif derrière. Encore une fois, vas-y. Allez, rebond, rebond. Ouais, ouais, ok, ok, vas-y. Yep. Allez, essayez de contester la sortie de balle, on peut contester la sortie de balle. Bien. Bien, ok, encore une fois, dernière fois. On peut contester la sortie de balle. Vas-y. Joue, 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 joue. Continue. Et pas faute. Allez, allez, rebond, rebond, enchaîne, 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 hop, hop. Oui, oui. Ok, stop.
On travaille comme ça, replacez-vous, attaque défense. On replace attaque défense, go. Ok. Simon, tu restes dans le terrain. Tu viens en dehors du terrain. Ok. Et deuxième situation, on a dit il y a deux possibilités de sortie de balle. Sortie de balle dans le dribble, sortie de balle dans la passe. On sait bien qu'en 5 contre 5, pour l'instant, le gros problème de beaucoup de jeunes joueurs et d'adultes, c'est qu'on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, pour ne pas faire grand-chose avec. D'accord ? On peut aussi obliger, dans vos situations, on le verra après dans le 2-2 et dans le 3-3, de travailler beaucoup la sortie de balle en passe et de supprimer un petit peu le dribble. Ça va vous permettre de lire, rebond, voir où je dois donner, travailler la qualité de passe, travailler la passe sous défenseur, on le verra après, d'accord ? Pour permettre justement d'avoir facile à donner cette balle. Parce que maintenant, combien de fois on se démarque, il est tout seul et j'hésite, je le fais pas, je fais pas la passe, je fais pas la passe, je continue à dribbler, dribbler, dribbler et puis je shot. Ok ? Donc là, on va travailler cette situation-là. Un contre un, rebond, mais cette fois-ci, quand tu prends le rebond, tu peux plus sortir en dribble. Donc tu prends le rebond, tu es obligé de faire pass out à celui qui est dans le terrain, donc Simon. Et puis après, tu te démarques ou pas. Tu peux travailler ce qu'on a fait avant. Pass out, pass back sur le jeu inside. Tu peux travailler pass out, back door. Tu peux travailler pass out, catch en dehors, un contre un. À toi de lire. Vas-y. Être prêt, Simon. Vas-y, joue, joue, joue. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Hop, pass out. Oui, oui, oui. Ok, allez, allez. Oui. Ok, changé. Les deux sont prêts. Un gars feeder. On a vu ici directement, il est passé devant le défenseur, mais il n'a pas demandé le ballon dans le post-up. Rebond. Ouais, hop, hop, enchaîne, enchaîne. Passe, passe, hop. Et joue derrière. Ouais, ouais. Rebond. Ok, pas mal. Un feeder, un feeder. Vas-y. Ouais, bien. Sur le premier pas. Hop, hop. Ouais, ok. Allez. Allez, joue, 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 pas grave. Ok. Et on a vu ici quand on parle des situations de lecture. Parce que lecture lente, lente, c'est facile. Lecture à haute intensité et à grande vitesse, c'est difficile. On a vu beaucoup, quasi à chaque fois pour l'instant, c'est sur la passe. J'ai une situation de seal-off et de pass-back, aucun joueur ne l'a joué. J'aimerais bien que vous pensiez à ça. Quand vous prenez le rebond, vous faites pass-off. Si vous êtes bien mis, demande la balle. Si tu n'es pas bien mis, démarre-toi. Vas-y, go. Allez, rebond, 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 hop, hop, ouais, ok, bonne défense Simon, bien en défense, ok, pas mal, ouais, ouais, allez, allez, vas-y, vas-y. Ok, rebond, ok, changer, un feeder dernière fois, let's go, vas-y Simon, passeur, ouais, vas-y. Ok, vas-y, enchaîne, enchaîne, hop, hop, ouais, ouais. Ok, dernière situation, puis on travaille avec vous aussi. Là, je ne vais pas vous mettre dans l'opposition à froid. Hein. Ok, on travaille comme ça, gars. Un ballon, balle à défense. Ball. Un bleu ici, blanc ici. Et on voit ici, j'arrête beaucoup, je parle beaucoup. Eux font chaque fois une ou deux fois l'exercice, pas plus. Et on voit déjà dans l'intensité, dans la fatigue, que c'est quand même un travail qui est très important. Il faut savoir qu'en général, quand je travaille en équipe nationale, je fais des entraînements de 1 heure, 1 heure quart maximum. Après, je termine par du shooting s'il faut, mais pas plus. C'est impossible. Quand on travaille dans le 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, avec, en appliquant les règles, c'est un travail qui demande beaucoup d'intensité. Ça veut dire que aussi de temps en temps, en intersaison, dans le mois de décembre, où on n'a plus grand-chose, on n'a plus de match, que faire, ben, les travails de 3-3, ou pendant la première semaine de Noël, on se dit on fait entraînement, on ne fait pas entraînement, mais si on fait entraînement, on va le faire à moitié. Ben, des situations de tournoi de 3-3 vont donner beaucoup, beaucoup de cardio. Beaucoup. Ici, on travaille comme ça, regarde. Même chose, un contre un. Même chose, un contre un, vas-y, viens, finir. Donc, Simon joue à fond. Ok, il a été battu. Ok, rebond. Ok, stop. Ici, on va travailler le passing. Tu défends, il est blanc. Tu défends, défends sur le 13, ok. Toi, ici, sur le, après l'un contre un, tu laisses faire la passe. Ok. Non, seulement lui. Toi, ici, tu dois demander le ballon en dehors des 3 points. En dehors des 3 points. Donc, démarquage, être prêt à recevoir le ballon. Simon, de là, tu peux faire un dribble, mais pas t'approcher de trop. Tu défends avec le ballon dans ton dos. Okay? Là, important, on va travailler la passe avec le deny. Okay? Et travaille surtout le passing à rebond. Okay? Donc, sur le, tu vas te démarquer, vas-y. Hop, passe à rebond. Stop. Lui va jouer un contre un. Vous deux, vous sortez.
c'est le même qui va rejoindre l'attaque tout le temps. Donc c'est toi qui vas rejoindre l'attaque. Ok, c'est le même qui va rejoindre l'attaque parce qu'il va prendre le rebond. On fait ça, première équipe qui a deux paniers. Donc là, on est à 4, mais on joue que du 1 contre 1. Il n'y a pas de passing, sauf sur la sortie de balle. D'accord? On se place. Première équipe à deux paniers. Vas-y. C'est lui qui joue. C'est tout le temps le même qui va jouer. Donc ici, tu vas jouer toujours en attaque, hein, bleu ici. Tu vas jouer toujours en attaque et toi, tu vas jouer toujours en attaque. Premier à deux paniers et puis après, on va changer la situation. Ok? Vas-y, go play. Allez, allez, vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faute. Allez. Allez, hop, 1-0. Oui, 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 allez, joue. Ok, bien, bien, bien. Allez, allez, vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne. 3, 2, 1, rebond. Hop, hop, laisse la balle, paire de balles. Vas-y, go, passe. Oui, oui, en dehors des 3 points. Oui, allez, go, vas-y. Non. Toi, tu joues que 1 contre 1. Lui, il joue pas. Il joue juste quand le jeu est fini. On recommence. Go. Bleu balle ici. Bleu balle. 1-0 pour l'instant. Let's go. Replacez-vous. Vous pouvez placer directement sur le côté. Vas-y, go. Vas-y, recommence. Allez. Allez, oui. 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 Rebond. Rebond. 2-0. Stop. On change. Let's go. Ball au-dessus. Changez l'ordre. Blanc. Ici sur le... Non, c'est bleu sur le check. Bleu, blanc. Blanc ici. Non, bleu sur le check ball. Bleu sur le check ball. Blanc ici, blanc ici, blanc ici. T'es blanc. Ok. Donc, toi, tu joues toujours en attaque et toi, tu joues en attaque. Même chose, 2 points. Go. Allez. Vas-y. Allez, hop, rebond. Ouais, hop. Regarde ta passe. Passe à rebond. Ouais, passe à rebond. Ok. Allez, allez. Bien, bien. Rebond, rebond. Hop, regarde. Laisse faire la passe. Laisse faire la passe, toi. Ouais, allez, hop, hop. Et après, à nouveau, dans le travail technique qu'on veut, ici, on veut travailler sur le passing. D'accord? Donc, on veut pas... Replace-toi là, Simon. On veut pas ça. On veut pas ça. Ça veut dire qu'ici, on veut que vous preniez un peu des risques et que vous travaillez... Vas-y, deny. Vous travaillez ça, là. Hop, ça. On veut ce travail main droite, main gauche à rebond. Ok? Vas-y. Commence de là, commence de là. T'as le rebond, démarre-toi, Simon. Go. Allez, allez. Oui, oui. Allez, hop, hop. Libère l'espace. Bien, bien. Allez, rebond, rebond, rebond. Hop, hop. Allez, enchaîne, enchaîne. On voit à nouveau dans la prise de vitesse. Hop, hop, 2. On voit ici, après, c'est la première fois, il y a deux joueurs qui ont déjà joué un peu en 3-3. Les deux, entre guillemets, plus vieux, 10 et 99. Tous les autres, ils n'ont jamais fait 3-3. Ça veut dire qu'il y a des petits réflexes à avoir, mais qui s'attrapent très, 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 très vite. Okay, la seule chose à nouveau, c'est qu'on voit la vitesse de réaction, la prise de décision. Il prend le rebond, alors que le drill, c'est passe, on n'y est pas. Donc là, à nouveau, on va solliciter tout ça. OK? Deux noirs en plus. Deux noirs en plus. Deux, deux. On se place comme ça. Trois joueurs ici, avec le ballon devant. Trois joueurs ici avec le ballon devant. Trois joueurs à l'opposé, à gauche. Trois joueurs à l'opposé, sans ballon. Trois joueurs à l'opposé, sans ballon. OK. Et on insiste vraiment sur le travail ici avant... sur le travail de passing qui est important et sur les situations de pouvoir donner une bonne passe avec beaucoup d'agressivité défensive. Ce drill-là permet de travailler à 4. Ici, on va commencer parce que, on va dire à un moment donné, ouais, coach, c'est bien gentil, mais moi j'ai deux anneaux, j'ai 12 joueurs. J'ai deux anneaux, 12 joueurs, dont les travails de 1 contre 0. Après, le problème est le même dans tout. Si on travaille du 1 contre 0, ben on a besoin de beaucoup de surface ou alors le temps d'activité forcément est un peu moindre ou on peut travailler sur le côté. Ici, on va commencer à travailler dans le 2 contre 0 et surtout le travail de sortie de balle et de passing qui est différent. Important, on l'a dit, les espaces sont différents dans le 3 contre 3. Il y a beaucoup plus d'espace vu qu'il y a 4 joueurs en moins, c'est énorme. Ça veut dire qu'ici, on va travailler les réactions. On a beaucoup, souvent, elle, j'attaque, réagis, Simon, et voilà. Et le joueur, la situation que je parlais tantôt, le joueur est prêt à shotter dans le coin et ce joueur-là, peu importe la situation, en général, il ne va pas bouger du coin. Dans le 3-3, j'insiste, on insiste beaucoup sur le travail hors ballon. Le travail hors ballon est très très important. Sur le travail d'écran hors ballon et le travail sans écran hors ballon. Le travail d'écran hors ballon, on ne le développera pas aujourd'hui, d'accord ? Mais on va développer un petit peu le travail sans ballon. Ça veut dire que moi, je demande toujours aux joueurs
d'avoir ce premier pas sur le premier dribble et après d'être prêt à jouer dans le dos. Pourquoi? Parce que une fois celui de défenseur va être là et ici il vous tourne le dos, que ce soit là ou du moins la tête. Et là on a des options de bec d'or. Situation qu'on peut avoir en 5-5 aussi. Le dernier joueur qui est dans le coin ici, quand lui a pénétré, peut-être le 5 est venu là et le joueur est venu coller ici ou le 5 est à l'extérieur, peu importe, où il a fait pick and pop et lui ici va avoir un espace pour le bec d'or. Donc simplement la situation ici c'est un dribble décale, deuxième dribble moins agressif, hein, y a un défenseur sur toi, donc le premier tu attaques là, le deuxième tu restes plus ou moins au lancer franc vu qu'il te contrôle, passe dans le dribble main gauche à rebond, passe dans le dribble main gauche, toi Simon tu vas dans le bec d'or, ok, tu vas dans le bec d'or, activité après ta passe, tu prends le rebond et tu fais pass out sur un des deux joueurs, peu importe, un des deux joueurs et vous faites le même exercice, attaque, intérieur, réaction bec d'or, pass out et on continue, quand vous avez fini vous allez dans la file. Vas-y, go. Ouais, ouais. Rebond, va au rebond. Hop, ouais. Pass out, hop. Attaque intérieure, ouais. Bec d'or, bien. Passe à rebond, hop. Ouais, c'est toi qui dois le rebond. Hein. Passeur actif. Le passeur actif dans le rebond. Va dans le rebond. Passeur actif dans le rebond. Allez, allez, oui. Oui, passeur actif dans le rebond, oui. Allez, allez. Pas mal, bien, bien. Allez, ouais. Hop, hop. Allez, pas mal. Ouais, ouais. Allez, travail du dribble, travail de la passe dans le dribble, oui. Allez, bien, bien. Encore, oui. Ok, ok. Allez, passe, oui, oui. Très bien, parfait. Ok, stop. On a compris sur la situation ici. Passe. Deuxième situation, travail baseline. Simon, même chose sur deux dribbles, va attaquer sur le premier dribble, va attaquer sur le deuxième dribble. Souvent, on va demander au joueur à l'opposé de sprinter dans le coin. Ok? On va demander au joueur à l'opposé de sprinter dans le coin. Tu vas faire la même chose, vas-y Simon, sur le premier dribble. Et à nouveau ici, le joueur va être abaissé. Et cette fois-ci, je vais donner la réaction dans le milieu. À nouveau, on a des fois des situations où le ballon est là, le joueur est là. Et on voit ici un espace énorme où personne ne plonge. Et nous, comme coach sur le côté, on se dit, mais regarde, tu dois aller là. Ouais, mais coach, tu lui as appris de sprinter là et d'attendre pour le shot. D'accord? Donc, le travail ici va permettre au joueur de développer ça aussi. Après, si l'espace est fermé et que tu as open shot dans le coin, tu dois garder open shot dans le coin. Ou s'il y a un joueur en plus dans l'aide, forcément, on va rester dans le même spot. Mais on doit voir s'il y a un espace de pouvoir aller dans le bec d'or. Un dribble, deux dribbles, un appui, circle move, passe à rebond, layup. Sur la passe, tu prends le rebond et tu joues pass out. Ok? Vas-y, go! Oui, oui, hop, hop, très bien. Allez, oui, rebond, pass out, oui. Allez, attaque baseline, bien. Hop, hop, oui, oui, très bien. Allez, encore, oui. Allez, allez, oui, oui, très bien, très bien. Oui, allez, allez. Travailler la qualité de la pass out, hein, qualité de la pass out, hein. Allez, là on voit chest pass, chaque fois on peut travailler au-dessus, sur le côté. Oui, allez, allez, mettre dedans, bien. Bien, ok, parfait, encore, encore, oui, oui, allez. Vas-y, vas-y, dernière fois, bien, ok. Pas grave, pas grave, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ok, stop. Ici, on n'a pas insisté sur le travail de rebond et le travail de passade. Ok, il y a un travail technique aussi à faire qu'on peut développer dans ces situations-là. Les deux noirs en attaque, les deux blancs en défense, les deux bleus en rotation, juste derrière, juste derrière, juste derrière. Ok. Et à nouveau ici on va commencer une situation à l'arrêt, on commence une situation à l'arrêt, mais comme en 5-5 des fois on triche. Situation à l'arrêt, je l'ai dit tantôt, on est obligé de commencer par un check ball sur le top. Ici dans un breakdown, on peut toujours modifier les règles. Là je modifie la règle et je fais commencer juste pour la première balle avec le ballon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ok? Tu vas commencer sur le check ball sur le côté et toi sur le catch tu joues un contre un. D'accord? Deux possibilités, soit tu le bats, soit tu le bats pas et tu vas faire pas ça. On veut que le joueur sans ballon soit agressif. Ça veut dire qu'il va attaquer là, réagit, voit ce que Simon te donne. Il est là, boum, passe à rebond, layup. Ok? Première équipe à deux paniers. Je ne parle pas de 1 point, 2 points, je parle de panier pour l'instant. Première équipe a 2 paniers. Attention, les rotations sont les suivantes. Et ça, ça a commencé à être important dans la fluidité de votre jeu. Noir, quand tu shotes ou que tu marques, quand le blanc a le ballon, tu laisses faire la passe, pass out. Ok? Pass out, défense, sort, noir, vous défendez sur les bleus.
D'accord? On montre une fois, vas-y, en marchant, vas-y, go. Hop, passe, vas-y, attaque, attaque. Ok, va dans le dos, passe, magnifique. Hop, rebond. Ouais, pass out. Noir défend, noir défend, noir défend. Et blanc, vous reprenez les deux spots derrière. En trottinant, soyez prêt, voir déjà le jeu parce que peut-être l'action va vite. Et directement, vous devez être prêt à pass out. Donc, jeu en continu, jeu en continu. Première équipe à deux paniers marqués. Vas-y, play. Ouais, ouais, ouais. Rebond, rebond, hop, hop, pass out, oui, on laisse la passe, oui, vas-y, hop, allez, allez, pas mal, pas mal, rebond, hop, pass out, hop, hop, oui, oui, pas mal, bien, bien, ok, pas mal, bien, Simon, hop, allez, rebond, rebond, passe, oui, enchaîne, enchaîne, libère le terrain, oui, rebond, rebond, hop, hop, allez, bien, bien, oui, oui, allez, allez, rebond, oui. Ok, on se replace, go. Gardez les points, les mêmes points. On voit ici dans la situation de réaction. On a demandé tantôt sur le premier dribble, c'était toi qui étais là, 71 ici. Quand ton coéquipier a attaqué sur le premier dribble, tu as directement été dans le bec d'or. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la réaction. Je dois d'abord faire réagir le joueur et puis voir ce qu'il fait. Là, il me tourne le dos, hop, là j'ai la situation pour y aller. Ok, donc d'abord réagir sur un dribble et puis après voir si j'ai le bec d'or. Ok, c'est très rare que je vais avoir le bec d'or directement. Ok, vas-y, go, enchaîne, continue à compter les points, oui. Même chose, il a été tout de suite, go, go, rebond, rebond, oui, allez, allez, hop, hop, libère le jeu tout de suite, Simon. Être prêt après, être prêt, oui, allez, bien, bien, rebond, rebond, oui, vas-y, hop, hop, allez, encore, 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 hop, pass out, oui, oui. Ah, t'es pas prêt. Enchaîne, 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 enchaîne. Ok, stop, replacez-vous. On voit ici tout de suite les situations où les joueurs ne sont pas prêts à enchaîner et à être réactifs. On voit à nouveau parce qu'on est dans un principe de 5-5 et que j'attaque ou que je défends et quoi que je fasse après, j'ai 25 mètres pour jouer au basket derrière. Et de temps en temps, pendant ces 20 mètres-là, j'ai rien à faire. J'ai juste à trottiner ou à prendre un joueur et être là, être passif. Ici, ce qu'on a vu ici, et c'est avec une toute petite répétition, parce qu'à nouveau ici, pour eux, on enchaîne les drills. On enchaîne les drills. À savoir qu'on peut faire une séance de la situation de 1-1, 1-0, 1-1, jusqu'au 2-2 là, sur une heure et demie. Sur une heure et demie, et donc là, ils vont développer et commencer à augmenter dans la qualité de ce qu'ils font. Ici, à leur décharge, ben, j'enchaîne pour vous montrer un maximum et construire la séance. Okay? Mais on voit ici la difficulté, ici pour ton prénom. Lucas. Lucas. Lukian. Lukian. Autant, autant. Lukian. Pour Lukian, on voit la difficulté ici, c'est de pouvoir enchaîner derrière. D'accord, que ce soit le travail défensif, que ce soit le travail offensif, la pass-off. On a vu aussi ici, sous cette situation-là, bonne situation pour travailler des close-out. Bonne situation pour travailler close-out, offensif et défensif. Passe, sprint, travail technique, être prêt sur le premier appui, être prêt sur le jump back, et lui, lire. Il est loin, shot, attaquer le premier pied, attaquer intérieur, attaquer sur le côté. Donc là, il y a une situation d'attaque sur le close-out qui est intéressant. Combien le score? 1, 1, 1. Go, on va en gagnant, on va en gagnant. Allez. Allez, ouais, 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 allez, allez, hop, close out, oui, bien, bien, allez, rebond, hop, hop, être prêt, hop, pas prêt, ouais, on n'enchaîne pas derrière, on n'enchaîne pas, enchaîner. Allez, hop, pass out, oui, allez. Pas mal, rebond, rebond, allez, enchaîne, 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 ouais, enchaîne, bien, bien. Allez, allez, encore, encore. Allez, lecture, la travail technique sur le rebond. Deux. Ok. On voit ici, il y a énormément de choses à travailler à nouveau. On prend un rebond ici, il est à droite du panneau, et puis il vote dans le milieu et fait la pass out. Ok, à la place de venir, voir sur l'épaule. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail technique à faire. On voit aussi, beaucoup de fois, shot, on n'est pas prêt, pass out, et puis seulement quand on voit qu'un joueur a le ballon, on se dit, mais je dois défendre. Donc à nouveau ici, rapidité, shot, voir tout de suite, prendre le joueur le plus proche, être prêt à défendre sur le close-out. Là, on a eu beaucoup de shots ouverts parce qu'on n'est pas prêt à transférer ça, à changer d'état, attaque-défense, on doit aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ok, deuxième situation, venez tous les trois sur le top, go.
les trois sur le top, vous restez sur le côté, à l'aile. Ici, même chose. Et on a travaillé ici sur l'attaque, un contre un, réaction. Ok. On peut aussi, sur la même situation qu'avant, travailler pass out, give and go. On pourrait travailler pass out, give and go. Pass, give and go. On pourrait travailler pass, le joueur qui n'a pas la balle sprint dans le post-up et travaille feed inside avec votre réaction sur le feed inside. Donc on peut avoir dans le même drill avant beaucoup de situations. On pourrait travailler aussi pass out, dribble and off. Ok, donc c'est toutes des situations qu'on peut développer et d'autres à nouveau. Ok. Deuxième situation qu'on va travailler dans la plus ou moins la même organisation. Viens ici, place-toi ici derrière. C'est ball screen. Ball screen. Passe, on laisse faire toujours la première passe. Donc la première passe, on la laisse faire, même sur la sortie de balle. Ball screen. Ok. À nouveau ici, je ne vais pas travailler sur le travail technique. Ok. Ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Mais vous le ferez à l'entraînement. En demandant switch over, switch under. On pourrait aussi, dans les situations de 2-2, travailler sur des situations de step back. Step back over, step back under, pour travailler dans votre travail défensif à deux. C'est plus difficile de travailler sur edging defense parce que là, comme on joue à deux, il n'y a pas vraiment d'alternative pour le travail défensif. Mais pour les plus petits, on pourrait aussi quand même travailler, obliger le joueur à faire deux dribbles et être capable de donner la balle sur le step in ou sur le step out, ce qui n'est pas toujours facile en jeune. D'accord, on pourrait le travailler aussi en deux contre deux. Mais voilà, en homme ou avec des joueurs qui ont un peu plus de qualité de passe, chaque fois on va avoir un décalage. Mais on pourrait le faire et obliger le joueur à sprinter derrière. Ici, simplement, travail ball screen, switch, ok, au choix. Tu switch over ou under, peu importe, ok, mais on switch. Toi, attaque, lecture sur le step in ou le roll in, ok, parce qu'à nouveau, les appuis, le travail de roll et de step, ok, au choix. Rebond, et même situation qu'avant, pass out, on fait pass out maintenant tout le temps sur le top. Pass out sur le top, l'extra passe est ouverte, ball screen. Première équipe à deux paniers marqués. Situation de ball screen. Vas-y, go. Allez, oui. Allez. Pas oublier, hop, mouvement. Rebond. Ouais, hop, passe sur le top. Ok, allez, hop, enchaîne. Allez, bonne passe, qualité de la passe. Laissez-la faire la première passe. Ouais. Regarde. Ok, sortie de balle, go. Vous n'êtes pas prêt là. Hop, ball screen, vas-y, enchaîne. Vas-y, allez, être prêt. Manque un joueur là, ouais. Mouvement, Simon. Mouvement après passe, oui. Rebond. Hop, pass out, oui. Hop, première passe ouverte, oui. Allez. Bien. Allez, encore, enchaîne, oui. Rebond, hop, allez. Deux. Forcément, on peut aller dans la même situation, à droite, à gauche, changer les défenses, corriger, changer l'ordre aussi. Ici, on a fait bleu, etc. Donc tout ça, c'est des situations qu'on peut travailler. Et les situations là, il faut bien comprendre, ce n'est pas des situations d'apprentissage. Quand je dis apprentissage, c'est apprentissage du travail technique du ball screen. On ne va pas faire ça pour une équipe qui ne connaît pas bien, qui ne travaille pas bien le ball screen ou qui n'a jamais vu. C'est un travail répétitif avec de la haute intensité, de la prise de décision rapide, d'accord ? Et c'est ça qu'on va chercher là-dedans. L'automatisation du travail de ball screen et avoir des situations répétitives et vite pour pouvoir le jouer et le lire mieux. D'accord ? Ici, travail suivant, travail comme ça. Remettez-vous tous les deux là-bas. Blanc ici avec le ballon. Tu peux te mettre Simon en dehors du terrain pour l'instant. Mets-toi en dehors du terrain pour l'instant. Ok, travail suivant. On enchaîne. À chaque fois, j'enchaîne les situations. Je ne les montre pas vite. On les a montrées et expliquées. Après, on enchaîne. Ici, travail 3 contre 2. Travail 3 contre 2 sur la première situation qu'on a faite avant, c'est-à-dire attaque 1 contre 1, réaction. Attaque 1 contre 1, réaction. Mais ce sont les deux mêmes équipes qui vont jouer tout le temps. L'équipe noire et l'équipe bleue. L'équipe blanc est, lui, complètement off. Lui est là comme feeder. Il va être là comme passeur. D'accord ? Passe, vas-y, donne-lui. Toi, tu es prêt à légèrement laisser de la place parce que tu ne dois pas jouer après. Okay. Un contre un, réaction. Okay. Et les bleus, rebond, passe sur notre joueur sur le top. Okay. Et là, à nouveau, on va retravailler les trois situations qu'on a travaillées tantôt. Seal off, deny backdoor ou catch dans la zone intermédiaire ou à trois points. Un contre un, réaction.
Ok, donc là, j'aimerais bien que sur le rebond, vous soyez agressif et que vous lisiez vite. J'ai quoi? Quand je fais ça, j'ai quoi? Là, j'ai pas, là. Ok, je sors, j'ai extra passe, travaillez vite. Première équipe là, à deux paniers marqués. Balle au-dessus, balle au-dessus. Non, la passe on joue, donc la passe saute, lui il est tout seul, donc elle est facile. Par contre, sur le rebond, noir a le ballon, t'es en défense, tu peux gêner la passe saute sur le blanc. Après tu joues, la première passe, non parce qu'on est à l'arrêt. Après on sera en mouvement, donc la première passe laisse là. Vas-y go, allez hop, allez joue, ouais, 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 allez, allez rebond, 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 hop, passe out, oui, hop, regarde, oui, allez, très bien, allez, continue, vas-y, hop, 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 oui, allez, allez, regardez, lecture, oui, allez, un contre un, ouais, ouais, rebond, rebond, ouais, hop, passe, passe, regarde, oui, pas mal, pas mal, très bien, hop, deux, on change, bleu sort, blanc rentre, noir défense, bleu feeder, ball, ball, bleu feeder, et on a vu ici déjà, dans la lecture, eux, tout de suite, pas ça. Maintenant, on lit sur la prise de position. Ça veut dire que maintenant, on a travaillé sur la prise de position offensive, mais que défensivement, le joueur doit être capable plus vite de contester la passe back inside. Pour l'instant, on est content, on a travaillé au travail offensif, mais maintenant, on va vouloir être prêt à contester cette passe back. Go! Pas mal. Allez, hop, hop, hop. Allez, rebond, rebond, passe. Oui. Ah, il était tout seul devant. Il est ressorti. Oui. Oui. Allez. 3, 2. Rebond, rebond, rebond. Hop. Laisse la balle. Stop. Important. Règle importante, on l'a dit tantôt. Panier marqué, tu dois absolument laisser le ballon. Quelque chose qu'on n'a pas précisé tantôt. Souvent, panier marqué, bah, le ballon arrive là. Ça peut aussi arriver que le panier soit marqué et que le ballon sort. La situation est la même. Vous devez laisser le ballon. Vous devez laisser le ballon et viens pour prendre la balle. Vous ne pouvez pas jouer au con. Jouer au con, pour moi, c'est ça. Vas-y, prends le ballon. Oh, non, rêve, j'ai rien fait. Non, non, il ne prend pas le ballon. On doit laisser le ballon. Ça, à nouveau, c'est warning. Au deuxième, c'est technique à chaque fois. Ok? Vas-y, continue. Premier à deux. Ouais. 3, 2, 1, allez hop, hop, enchaîne, 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 bien, bien, enchaîne, allez, allez, hop, allez, et rebond, rebond, hop, pass out, oui, regarde, regarde, bien, allez, allez, rebond, 2, changer, dernière fois, qui feeder, noir feeder, ok, première passe ouverte, hein, première passe ouverte, vas-y, go, allez, oui. Vas-y, être prêt à bouger sans ballon, ouais, rebond, rebond, ok, passe, hop, regarde, regarde, lecture, stop. On voit ici à nouveau, quand on veut travailler la lecture, la vitesse. Ici, Simon, sur la première passade, vient en défense. Il n'a pas la prise de position, donc très bien, il sort. Par contre, ici, il n'a pas la passe ouverte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il sort, il sort, il sort, il sort. Alors qu'il y a tout ça d'espace dans son dos. À nouveau, on est dans les mêmes situations qu'en 5-5. D'accord? Donc je veux sortir ici, boum, bec d'or, passe à rebond, layup. On doit lire ça, on doit être lire et être agressif et participer au jeu. Et pas juste vouloir se cacher, non, jouer avec lui, il va jouer un contre un et moi je suis prêt à shotter s'il me donne la balle. Vas-y, go! Allez, hop, 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 hop! Allez, lecture, lecture, oui, lecture, bien, bien, oui. Ouais, hop, hop, regarde, 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 oui, oh, stop, ah, t'as vu ce que t'as fait? T'as pris le ballon ici, il est là, t'es passé devant là, et t'as continué, t'as demandé le ballon ici. Tu vois? Lire, lire plus vite, lire plus vite. Let's go, allez, enchaîne, enchaîne, ouais. Pas mal, bien Simon, allez, qualité de la passe là, qualité de la passe est pas bonne, bien Simon, bon travail dans le dos. Combien est le score? 0-0, premier à 1. Allez, premier qui marque. Ok, stop. Et ici aussi, dans le travail qu'on a aussi de temps en temps à 5-5 en certains joueurs, c'est que chaque fois qu'on rate ou qu'on rate quelque chose, il y a faute. Il y a faute. Ici, vous jouez, vous pouvez donner, il n'y a pas de faute. Ou la défense donne faute, ça veut dire que tu râles, je prends le ballon, je donne, je marque. Tiens, fini. Merci, au revoir, t'as perdu. D'accord? On peut stimuler ça aussi. Qu'en 5-5, on va rater là et qu'on va jouer 5 contre 4. Allez, aidez-moi, j'arrive, j'arrive, j'arrive et puis jouer. Ici, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'arrive. Tu dois défendre tout de suite et réagir. Donc, il faut arrêter de pleurer et de jouer directement derrière. Vas-y, go!
Sortie, blanc balle, sortie, blanc balle, go, go. Allez, il faudra un panier, il me faut un panier. Allez, on veut un panier. Trop. Bien joué. Ok, stop. On voit ici, à nouveau, on a travaillé pas longtemps et on voit que dans la tête de certains, on commence à mettre du mouvement hors ballon. On commence à mettre du mouvement hors ballon qui devient automatique. Et ça, c'est transférable à nouveau dans le travail de 5-5 où on va demander de lire. Si j'ai quelqu'un, deux hommes dans la raquette, forcément, je vais rester, je serai prêt à shotter. Après, si j'ai personne dans la raquette, je dois être capable de prendre l'espace pour avoir un panier facile. Dernière situation en 3 contre 2. Changer, changer, feeder. Qui est feeder maintenant? Bleu, ok. Mets-toi sur le côté. Gauche, mets-toi à droite. On joue avec deux feeders ici. Balle sur le top, va à droite, à droite, à droite. Donne-moi la balle. Attaque défense, attaque défense. Reste ici au-dessus, là, en dehors. Feeder, feeder, un peu en dehors du terrain, un peu en dehors du terrain. J'explique. Situation 2 contre 2 qu'on a faite tantôt. Passe, ball screen. Switch, voilà, tout le travail que vous voulez faire, vous le développez sur votre ball screen, ici offensif et défensif. Vas-y, go. Joue. Ok, ok, vas-y, passe. Va finir, ou donne-lui, va finir, voilà. Ok. Noir rebond. Ok, stop. Ici, à nouveau, suivant où il est, on va travailler pass out. Si je suis à gauche, pass out là-bas. Ok. Passe. Un joueur au-dessus, un joueur sur le côté. Là, les deux passes, on les laisse faire. Passe, passe, ball screen. Passe, passe, ball screen. Ok. Et on rejoue. Pass out d'un côté ou de l'autre. Occuper les deux spots libres. Passe, passe, ball screen. Et ici, je donne pass out libre pour l'instant pour la qualité de l'exercice. Suivant le niveau de vos joueurs, vous pouvez soit avec des plus petits, si on a des difficiles à transférer, laisser les passes ouvertes. On pourrait dire la première passe là est ouverte ou celle-là. On ferme la deuxième. Vous pouvez adapter comme vous voulez. Ok, ball screen, go. Première deux paniers. Première deux paniers. Oui. Allez, lecture. Oui. Très bien. Très bien. Rebond. Hop. Passe. Oui. Allez. Hop. Enchaîne. Passe. Passe. Hop. Hop. Ball screen. Oui. Allez. Allez. Bien. Bien. Allez. Rebond. 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 Hop. Pass out. Pass out. Oui. Hop. Hop. Allez. Allez. Oui. 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 Pas mal. Ah, qualité de la passe. Allez. Enchaîne. 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 Allez. Allez. Ok, changer. Let's go, ball. Ouais, pardon. Ok, changer les bleus, blanc en rotation. Blanc feeder, mets-toi sur le top. Et on voit ici quand je demande de laisser les deux passes ouvertes, parce que le thème de l'exercice ici, ce qu'on veut, c'est travailler le ball screen. Après, si on veut travailler le passing et le ball screen, ben on va travailler défense sur les deux situations. Ok, maintenant, même situation, mais on a vu souvent, c'est que rebond, passe, et c'est moi qui vais sur le top et là dans une situation de recevoir ball screen qui ne ressemble pas à grand chose. Ok, maintenant j'oblige, celui qui a fait la passe, il ne peut pas aller sur le top. Donc ça veut dire que moi, on joue ensemble, je prends le rebond, je fais passe, tu sprints sur le top, donc il va être en course, démarquage comme s'il venait du bloc ou ici. Moi, démarquage sur l'aile, je vois le jeu, je reçois le ballon ici et à nouveau ball screen. Donc celui qui fait pass out ne peut pas jouer sur le top. C'est bon pour vous? Oui. Vas-y, go. Oui, oui. Allez, allez, bien. Bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Rebond, rebond. Hop. Allez, pass out. Oui. Allez, change de spot. Voilà. Allez. Allez, bien. Bien. Ball screen. Allez. Oui, pas mal, pas mal. Bien. Allez, rebond, rebond, rebond. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Oui. Oui. Ok, stop. Encore une fois, changer le feeder, changer le feeder. Noir, de l'autre côté, noir. Vas-y, go, dernière fois. Allez, bien. Bien, Simon. Bien, hop, rebond, rebond, rebond. Hop, enchaîne, 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 enchaîne. Oui, allez. Ok, hop, enchaîne, allez. Ok, et on voit directement les joueurs qui, dès qu'il faut aller un petit peu plus vite, commencent un peu à douter. Et c'est pour ça qu'on va travailler cette situation-là à répétition pour avoir les prises de décision à haute intensité. Ton prénom? Hamza, il a pris le ballon et deux fois il hésitait.
Il a hésité à faire la passe, alors qu'ici, la passe est facile. Je reçois le ballon là, ça doit aller vite ici. Mais ça, à nouveau, c'est prise de responsabilité à haute vitesse. D'accord ? Donc là, on doit être capable. OK ? Même chose quand on va sortir, je prends le rebond. Souvent, les joueurs sont concernés que par le ballon. Quand ils ont le ballon, ils jouent. Ici, en travaillant l'obligation de pass out, l'autre joueur doit lire. Il doit voir que lui a le ballon, que c'est moi qui dois aller sur le top pour libérer la passe et moi qui vais prendre. Et pas, comme on l'a vu au début, celui qui est concerné par le ballon passe. Je suis à nouveau concerné par le ballon et seulement quand je te regarde, mon coéquipier commence à jouer. En obligeant le fait de rebond, je ne peux pas jouer sur le top, lui est directement concerné dans le rebond. Lui doit directement faire l'effort, passe, extra passe, ball screen. OK ? Et, let's go. On va essayer, désolé les gars, on va essayer. Pas facile. Un bleu en attaque, un bleu en défense. À votre aise pour rentrer dedans. Allez. Les trois noirs derrière. Ici, dans le terrain. OK. On travaille comme ça, regarde, on travaille comme ça. Là, on a travaillé ball screen, offensif, défensif. On a dit à nouveau, tout le travail technique est fait en amont, dans d'autres drills. Tout le travail technique est fait en amont, le travail de construction est fait en amont. Okay? On peut changer les défenses et les attaques sur toutes les situations de ball screen. On travaille dans le 3-3 maintenant. Passe, ball screen, toujours switch. Okay? Mais maintenant, on va pouvoir jouer à 3. Ça veut dire que quand on travaille sur le switch, vas-y, fais un dribble. OK, stop. Ben, on a la passe. On a peut-être le shot de mismatch. Mais on a peut-être... Travaille au-dessus. Voilà. On a peut-être aussi le relais ici sur le troisième joueur qui peut jouer dans le triangle et pouvoir donner ici inside. OK, donc là, en ramenant le troisième joueur, on donne plus de possibilités. À nouveau, quand on dit tantôt, ben, on peut travailler sur le step back et là, on va avoir la réduction d'espace au joueur qui a une passe. On peut travailler sur le switch. Et on pourrait aussi imaginer des situations de edge, là, avec un pick and pop sans rotation. Lui vient et lui est prêt à une passe à travailler. Donc, on pourrait imaginer plusieurs situations différentes. OK ? Le travail là, 3-3 en continuité. Donc, vous jouez aussi. Vous jouez aussi. Blanc rebond. Pass out à un des trois noirs. OK ? Le ballon est sur le côté, une passe, deux passes, ball screen. Le ballon est sur le top, une passe, ball screen. On a vu les deux sorties de balle dans le 2-2. On a vu sortie de balle sur le côté et on a vu sortie de balle sur le top. Et on enchaîne. Les bleus, quand vous avez joué, vous défendez. Les blancs, pass out, vous venez en rotation. Première équipe à 3 paniers marqués. Go! Allez, oui, oui, allez. 3, 2, allez, enchaîne, hop, enchaîne, oui, allez. Prise de décision ici en défense, il y a plus de joueurs, donc ça va être plus compliqué. Prise de décision, communication, hop, allez, se replacer, oui, passe, ball screen, oui. Allez, pas mal, rebond, oui, allez, hop, oui, allez. OK, pourquoi pas, bien, allez. Ouais, hop, manque quelqu'un. Faut se replacer plus vite, les gars. Blanc, replace-toi. Ouais, mouvement, rebond. OK, allez, pass out. Ouais, enchaîne, bien. Laisse faire la passe. Les deux passes sont laissées faire pour l'instant. Ouais, bien, bonne passe, bien. Allez. Stop. On a dit chaque fois, passe. Le ballon sur le côté, passe. Et... ici, on rajoute, donc on a travaillé dans le 2-2 avant, on rajoute à nouveau la situation de prise de décision et de prise de responsabilité offensive et défensive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que défensivement, à nouveau, je dois être capable de vite défendre sur le joueur ouvert. Et de ne pas me dire, ah ben moi, je tiens là ou je tiens là, et le joueur est tout seul, j'y vais pas. Ici, la consigne, et c'est ce que moi, je commence à développer aussi beaucoup dans les jeunes, c'est que quand on n'a pas de profil, ben, tout le monde défend tout le monde. Ça veut dire que défends la balle qui est près de toi, défends le joueur qui est près de toi le plus vite possible pour ne pas avoir un joueur tout seul. Ici, dans cette situation-là, pardon, à nouveau, c'est le cas. On doit pouvoir défendre vite, communiquer, tiens-le, je vais là, prends-là, 15, 16, et offensivement aussi, sortir dans les spots ouverts. On doit sortir vite dans les spots ouverts, transférer le ballon. Je rajoute... et ça, à part nos trois amis qui viennent du banc, qui sont un peu froids, donc pas de problème à votre rythme. Je rajoute que sur la pass-out, viens en dessous, donne-moi le ballon. Si noir m'a fait la pass-out, blanc doit en défendre,
on a dit passe, passe. Je rajoute que si j'ai open shot, je peux jouer. Juste le shot. Je ne peux pas attaquer dans l'un contre un ni dribbler. On veut jouer le ball screen, mais je veux que lui joue le close-out plus vite et je veux que lui, dans son équipe, communique plus vite sur le joueur ouvert. Vous devez communiquer plus vite sur le joueur ouvert. Si moi, à chaque fois dans mon exercice, je laisse cette situation-là, ok, je ne travaille plus la lecture à haute vitesse à nouveau. D'accord ? Donc ici, quand tu es seul, tu peux shotter. Même chose sur la passe, tu peux shotter, mais je ne peux pas attaquer. Je ne veux pas qu'on attaque. Donc si je n'ai pas, passe, passe, et là, on joue le ball screen. Juste sur les deux premières passes, je peux avoir si j'ai open shot. Ok ? Vas-y, go play. Allez, oui, 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 oui. Allez, lecture sur le switch, oui. 3, allez, hop, hop, enchaîne, enchaîne. Stop, oui, voilà, pas prêt. Pas prêt. T'es pas prêt. Il est pas prêt, il est sur le côté. Ça, c'est une situation en même temps qu'on est en match. Hein. Je suis pas concerné par l'action, donc je suis pas prêt. Et quand c'est à moi, là, il reçoit le ballon, il fait marcher. Alors qu'il doit être là, sur le côté, il est à l'arrêt, mais il est prêt. Il anticipe déjà, shot, rebond, il est de mon côté, ball, je suis prêt à shotter, je suis prêt à passer. Donc là, les 9 joueurs doivent être concernés très vite. Très vite. Ok, t'es prêt? Go! Allez! Allez, hop, hop, hop. Laissez la balle, important, important, laissez la balle. Ah, passe out plus vite. Il avait open shot, ton partenaire. Allez, oui, oui, pas mal, pas mal. Rebond, rebond, rebond. Ouais, il n'y a pas de box out, Hugo. Allez, allez, hop, hop. Mauvaise passe out. Ouais, ouais, bon choix. Allez, hop, hop, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et reviens en dessous, Hugo. Reviens ici, 4, ouais, 4. Prends le ballon. 4 ici. Donne-lui le ballon. Hugo, viens ici. Les noirs sont en train de se repositionner. Et à nouveau, quand on dit qu'on va travailler la communication, la prise de décision, les noirs sont en repos, reculent. Donc les blancs étaient en train de jouer. Il a un coéquipier là, et lui, il remonte seulement du terrain. Forcément, il ne remonte pas au milieu. Et ici, entre lui et lui, il n'y a aucune prise de décision, il n'y a aucune communication. Toi, tu le vois là, tu dois aller là et lui donner le chemin le plus facile ici pour être prêt à enchaîner derrière. À nouveau, là, on est dans les prises de décision, dans la communication de chaque fois le drill, pouvoir le continuer. OK ? Et situation suivante, baseline, tout le monde, 3 fils, baseline, go. Baseline, vite, vite. Les bleus en premier, bleu en premier, bleu en défense, noir, troisième ligne. Viens dans le terrain, bleu et blanc en défense. Attaque plutôt, OK. Et on travaille comme ça, dernière situation, et puis après, on va dans le global. On a fait sortie de balle en passe. On a travaillé sortie de balle en passe dans le 2-2, dans le 3-3 ici. Mais le travail de 2 contre 2 qu'on a fait avant, on pourrait le mettre dans le même drill ici. Donc le travail de 2 contre 2, on pourrait faire la même situation si on veut travailler sortie de balle en dribble. Moi, j'ai voulu travailler en passe. Ici, je vous le montre en dribble en 3-3. Mais on peut le faire en 2-2 avec 2 joueurs là, 6 joueurs là. Et la même situation, d'accord? Ici, sort en dribble, sortie à 3 points, monte. Passe. Ball screen. Même situation. On joue. Vas-y, go, joue. Vas-y, va finir en lay-up. Va finir en lay-up. OK. La seule chose qui change ici, stop. La seule chose qui change dans le drill ici, c'est que attaque a fini. Vous, vous rentrez en attaque. Tu prends la balle. Non, ma faute, ma faute, ma faute. C'est moi qui dis des bêtises. Ma faute, ma faute, ma faute. Viens, reviens, reviens, reviens. Finis en lay-up. Défense, prends la balle. Défense, prends la balle. La défense sort en dribble. Et vous, vous jouez en défense. L'attaque sort. OK ? Donc défense va en attaque, attaque sort, et l'équipe dehors rentre en défense. Et ici, pour le drill, j'oblige de sortir en dribble pour laisser la défense monter et les autres quitter le terrain. On a compris ? Ma faute, j'ai mal expliqué au début. Donc la défense, tu vas rejoindre l'attaque derrière et vous rentrez en défense, noir. OK ? Let's go ! Allez, passe ball screen. Allez, ouais, ouais, allez, hop, hop, bien, bien. Allez, 3, 2, 1, allez, rebond, ouais, allez, allez, vas-y. Encore, enchaîne, t'es pas prêt, ouais, ouais. 3, allez, vas-y, vas-y, sors en dribble, sors en dribble, sors en dribble. Passe, passe, ball screen, passe, passe, ball screen, passe, passe, ball screen, ouais, allez, allez, bien, bien, ouais, ouais.
Pas mal, pas mal. Bien. Rebond, rebond. Hop, sort en dribble. Hop, hop. Positionne-toi. Passe. Regarde, regarde. Hop, ball screen, ball screen. Oui, oui. Allez, allez. Bien. Allez, sort en dribble. Oh, enchaîne. Il n'est pas prêt, t'es pas prêt. T'es pas prêt. 3, 2, pas mal le cercle. Allez, hop, enchaîne en dribble. Allez, ouvre. Allez, hop. Allez, allez, hop, 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 allez. Regardez bien, à chaque fois, on voit beaucoup de joueurs qui hésitent. C'est les mêmes joueurs qui, dans le 5 contre 5, hésitent à enchaîner aussi. Et la répétition des drills-là, de la prise de responsabilité et de lecture, va faire que dans le 5-5, ils vont augmenter leur vitesse aussi. 3, 2, 1. Allez, hop, enchaîne, 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 enchaîne. Ok, stop, stop, stop. On a vu, on a compris ici. On voit, comme je le disais avant, directement les joueurs, on pourrait voir entraînement avec eux en 5-5, on aurait les mêmes joueurs qui ont difficile à enchaîner ou à prendre les responsabilités ici. Ici, en les donnant dans cette situation d'activité dans le 3-3, on va obliger à augmenter leur vitesse, augmenter leur prise de décision, augmenter le fait qu'ils soient actifs dans le jeu. On voit sûrement des joueurs là, si on les voit en match en 5 contre 5, ils vont, entre guillemets, ne pas faire grand-chose, ne pas prendre beaucoup de responsabilités. Ils vont être dans le play, ils vont mettre un ball screen, ils vont défendre sous le ballon, hors ballon, ils ne défendront pas, ils ne vont pas demander le ballon, ils ne vont pas courir dans les bons spots. Ok, ça c'est intéressant. Important aussi, dans le développement pour le 3-3, c'est développer les profils de jeu aussi. Il y a 3 ans, quand j'étais au centre de formation, en fin d'année ou en décembre ou en fin d'année scolaire, on travaillait un peu des situations de 3-3 quand ils étaient en examen. Ils avaient une heure quart d'entraînement et on a travaillé des situations de 3 contre 3 pour justement libérer ça. Et c'est intéressant pour les profils. On a des fois des grands, ouais, mais il n'est pas encore très bien dans le travail technique, il n'est pas encore très bien là. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, ben, va dans la raquette, défend dans la raquette et prends le ballon post-up et bourrine dans le post-up et va marquer. Et il ne fait que ça. La situation de 3-3 va le faire, qui va devoir dribbler à un moment donné, faire une passe, défendre et avoir moins de contraintes, parce que moins de joueurs fait moins de contraintes. On est en 3-3 et donc il va être plus à l'aise, plus relax, plus confort dans ces situations-là. Il va être plus efficace, il va prendre plus de plaisir et il va prendre de la confiance dans ce qu'il fait parce qu'il voit qu'il a l'espace, qu'il s'est fait la passe, qu'il s'est fait dribbler et il va aller après dans le 5-5 et avoir plus de confiance et plus de prise de responsabilité là-dedans. Ok, dernière situation. Les blancs sur le banc. Mon ami Jean-Pierre. Donc ici, on va simplement montrer, donc on a fait la situation globale, on a fait tous les drills, etc. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de drills qu'on s'est déclinés sur beaucoup d'exercices, comme on l'a dit. Juste, on va montrer la situation globale qui est le 3 contre 3. D'accord ? Situation globale qui est le 3 contre 3. Check ball, et là, on joue. On joue. Pas oublier, donc 10 minutes. Ici, on ne va pas jouer 10 minutes. On va faire jouer premier à 3 points. 3 points, 3 contre 3. Donc, 2 points, 1 point. Premier à 3 points, 3 contre 3, et puis on change les équipes. Donc vous êtes sur le banc, vous pouvez vous asseoir, vous êtes relax. Okay. Et pas oublier, il y a check ball sur sortie de balle ou sur faute hors shot. Ou sinon, on joue tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de jouer ball screen, hein. Vous jouez ce que vous voulez, au choix. Okay. Vas-y, play. Allez. 1-0. Allez. 3. 2, ok, noir balle, 12 secondes, check ball, arrêt de jeu, quand il y a une violation, marché, sortie de balle, 12 secondes, on voit 12 secondes, ça va très vite, hein. Ça va très très vite, ok, ça oblige aussi les joueurs à jouer vite, vas-y, go, allez, ouais, pas mal, très bien, situation de bec dehors, bien, hop, hop, enchaîne, 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 allez, allez, oui, oui, encore, encore, qualité de passe, allez, allez, on peut sortir en dribble ou en passe, hein. Ouais, ouais. Allez, pas mal. Hop, enchaîne, regarde. Allez, prise de décision. Hein. C'est pour ça aussi qu'avant, j'ai insisté sur la passe. Allez. Faute.
Ok, faute. Let's go, ball. Ball. Hey, situation de lancer franc, qui a... Hey, situation de lancer franc, c'est là, placez-vous sur le lancer franc. Même chose qu'en 5-5, même chose qu'en 5-5 sur la situation de lancer franc. La seule chose qui change, c'est que souvent, ici, noir est en défense. On a aussi des sorties de balles sur lancer franc. Sortie de balle classique, c'est que quand il shot, lui sprint dans le coin et sur le rebond ici, passable, shot ouvert. On a aussi des situations où il travaille comme ça, je prends ta place. Lui va être le shotter, ok ? Viens au rebond aussi. Lui va être le shotter, ok ? Nous deux, on va aller au rebond, prise de rebond, lui va mettre écran et lui va sprinter dans le coin. Okay, on a différentes situations de sortie de balle. Important aussi, si on a un joueur là, et ça, vous, les joueurs le feront de toute façon, tout seul. C'est qu'en général, en défense, on va demander à un joueur là. À nouveau, parce que lui, il va tenir ici, lui, il va tenir de l'autre côté. S'il n'y a pas de joueur, c'est difficile de défendre là. C'est difficile d'être là, et puis de défendre, il est où, et on donne shot ouvert derrière. Fais juste un lancer franc et t'enchaînes. Vas-y, lancer franc et enchaîne. Allez, hop, vas-y. Oui. Allez, situation de bec dehors, Bien, bien. Allez. Oui. Allez, regarde le shot ouvert. Oui. Allez, pas sorti. Oui. Allez. Encore. Allez, vitesse. Pas mal. Joue, enchaîne. Changement de balle, ouais. Trois. Ok, fini, trois. Changer. Bleu sort, noir reste. Blanc balle. Et on écoute. Attends, deux secondes. Balle au défenseur. On voit ici, c'est comme en 5-5, on peut avoir des situations de match où on va imposer on va mettre des contraintes. Ici, si on ne met pas de contraintes, et c'est à nouveau pourquoi j'ai montré beaucoup de drills sur le passing, c'est que rebond, on ne lit plus rien, et tout ce qu'on fait sur le rebond, c'est sortie de balle en dribble. Et puis après seulement, il reste 6 secondes et on dribble encore et puis on joue. Ça veut dire que dans le même match, on peut imposer soit sur le rebond obligé de faire passe et là on doit défendre parce que la balle doit sortir dans la situation qu'on a fait tantôt mais on aura un défenseur, soit peut-être juste s'autoriser à un dribble passe, okay, obliger la situation de post-up. D'accord ? Donc on pourrait mettre des contraintes pour justement diminuer un petit peu le dribble. Ici on le fait, quand on a le rebond défensif, on ne peut plus dribbler, on doit faire pass out et puis jouer. Après c'est libre, mais sur la sortie de balle, je suis obligé de la faire en passe, je ne peux plus la faire en dribble. Vas-y, go ! Allez, ouais, allez, rebond, vas-y, ouais, allez, qualité de passe, pas mal, allez, ouais, hop, on passe, pas en dribble, Hugo, sortie de balle, on passe, toujours. La situation de Bekdor qui prend pas, il n'est pas actif le 33. Clock, check ball. Et on a vu quand on vous dit, c'est comment ton prénom ? Lucian. Oui, on voit ici, et on l'a déjà vu avant dans les différents drills quand il n'était pas prêt. C'est pas pour tout te cibler avant, d'accord ? Mais on voit qu'il n'est pas proactif de ce qu'il fait. Il n'est pas actif dans ce qu'il fait. Et là, les situations vont lui permettre de commencer à être actif là-dedans, de prendre des responsabilités. Parce que peut-être en match, ben c'est un joueur qui ne prend pas beaucoup de responsabilités. Okay. Après, pour ceux qui prennent des responsabilités, c'est aussi de pouvoir jouer vite et de partager et de lire le ballon, lire le joueur qui est ouvert. Dernière situation, vas-y, go. Check ball, vas-y, ouais. Pas mal, ouais, hop, enchaîne, ouais, hop, libère-toi. Allez, hop, oui, allez, démarquage Hugo, oui, très bien.
Allez, un panier, on termine par un panier. On termine par un panier. On termine par un panier. Allez, allez, check ball pour les noirs. On termine par un panier. Allez. Vas-y, go. Allez, allez, allez. Ok, stop, bien. Ok, merci les gars. Vous pouvez vous asseoir. Cible. Ok, on voit la dernière situation de match. Là, on est dans le global et on a mis aucune contrainte. On pourrait imaginer, à nouveau, dans le travail de 2-2 ou 3-3, mettre des breakdowns tactiques sur ce que vous faites. Mettre des breakdowns tactiques sur ce que vous faites. C'est-à-dire, ben, sur la situation de 3-3, passe, screen away. Passe, screen away, et on joue là-dessus. Passe, ball screen. Ok ? Passe, end off. Passe, cut, post up, feed inside, joue à 3. D'accord ? Donc, tout ça, on peut les mettre dans les situations-là, mais qui vont multiplier la vitesse, multiplier la prise de décision, multiplier la responsabilité des joueurs. Responsabiliser les joueurs plutôt, d'accord ? Tout ça dans ces situations-là vont amener ces différentes situations. Et on a vu à nouveau que dans le développement des joueurs, c'est des choses intéressantes. Après, à vous à mettre quelle partie dans l'entraînement, combien de temps ? Une demi-heure, trois quarts d'heure. La base est intéressante. Ici, moi-même, par rapport à Belgrade, en Détroit, on a fait la coupe. On a fait en pré-saison des situations pour montrer un petit peu. Et de temps en temps, après l'échauffement, je mets des situations de 1 contre 1. Des situations de 1 contre 1 comme on a fait tantôt, sur le check ball, sur l'aller-retour pour augmenter un peu le cardio dans l'entraînement. Et puis du 1 contre 1, on en a toujours besoin. Des situations aussi 2 contre 2 avec 3 équipes. Et là, on remet à nouveau des situations. Et des situations de 3 contre 2 où je vais demander, ben, je veux qu'on travaille sur la end-off, ou je veux qu'on travaille sur le ball screen en jouant step back over ou step back under. Et on répète, et on met de l'agressivité là-dedans. Donc voilà un petit peu les situations que je voulais développer aujourd'hui.